Bonjour les gars, et bienvenue pour ce deuxième épisode de French Iron. Je suis essoufflé, parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose, le cardio et la musculation. Est-ce deux alliés possibles? Donne-moi ton expérience sur deux expériences d'athlètes de haut niveau. C'est parti, c'est comme ça qu'on va faire les choses. Donc donne-moi ton expérience, je te donnerai mon expérience et je vais vous dire ce que je prépare. Et tu veux que je te donne mon ressenti quoi? Ouais. Ce qu'on peut lier là. Pas moi ton ressenti, moi je m'en branle. Ouais, mais par contre eux le veulent. Les abonnés. Moi tu me parles pas, moi tu parles à la caméra. Je parle à la caméra, tu as tout à fait raison. Donc moi. Appelle le son. Appelle. Parce que je pense qu'ils t'entendent pas. Parce qu'au montage, ton foiré me fait galérer. Tu appelles le son. Tu appelles le son, ok. Donc y a pas. Donc pour moi, mon expérience personnelle entre la musculation et le cardio, est-ce qu'on peut allier les deux? Mais quand tu me dis cardio, tu me parles pas du HIIT, non? Bah je suis désolé monsieur, mais le HIIT c'est quand même une forme de cardio, je crois. Okay, okay. Le cardio, tout ce que ça veut dire c'est cardiovasculaire. Okay, dès que l'appareil cardiovasculaire est mis sa preuve, ton truc il est cardio, tu vois ce que je veux dire? Okay, tu vois ce que je veux dire? C'est bon. Bon bah alors, allez. C'est bon, j'ai vu. Okay. Donc bah moi là ça fait, j'ai repris depuis 3 semaines on va dire, on va dire que j'ai repris depuis 3 semaines la musculation. Et à chaque fin de séance je fais du HIIT, ouais. Je fais du rameur, je fais du vélo, je fais de la course sur tapis quoi, en pente et tout ça. Ouais, taekwondo et tout ça. Et franchement, oui, je pense qu'on peut allier les deux personnellement, mais de là à dire que est-ce que je pourrais préparer un marathon de 20 km ou de 40 km en faisant de la musculation, je pense pas parce que je serais trop lourd musculairement parlant et tout ça. Mais sachant même qu'en musculation il y a quand même des séances certaines qui sont quand même cardio. Et t'es pas d'accord avec moi, genre si tu prends 30 secondes de repos et tu fais 10 séries au squat, et ben mon gars je peux te dire ton cœur il est en tachycardie. Je fais parce que ça me détend. Parce que c'est chiant bordel de merde ce qu'il dit. Bah non mais c'est vrai là. Alors les gars, bah, moi, demain dimanche, on est combien là? On est quel jour là? Tu te mets pas à dire. On est quel jour? Ton ressenti. Je vais le dire. Okay. Demain, je me lance un défi. C'est dimanche. Alors ça fait. J'ai. Moi je. Tirage au sort demain aussi. Ouais. Je fais de la muscu. Je fais de la muscu depuis à peu près 5 ans. Mais vraiment essentiellement que de la muscu. Quelques séances de cardio comme ça là. Mais voilà. Et sans courir. Je fais pas pour les meufs. Ferme ta gueule, connard. Non, je le fais pas pour les meufs. Donc je fais essentiellement de la muscu à peu près depuis 5 ans. Ouais. Déjà là, c'est sympa. Super. Ça va, t'as pris. Deux. Après, il y a eu quelques temps, des temps d'arrêt et tout, on sait très bien que... C'est la vie. Et je viens de mettre le cardio maintenant dans mon programme depuis, par exemple, là, pas longtemps. Et là, je vais me lancer un nouveau défi, c'est-à-dire avoir un niveau à peu près. Donc, c'est un défi qui a été lancé par Chris Gettin. Donc, le truc, c'est de faire un Ironman. Donc, faire, je crois, 2,4 km en piscine. 2,4 km en piscine. Aussi, c'est quoi? C'est une course. Après, je sais plus vraiment les chiffres. C'est pas 20 km. Vraiment cardio. Et du coup, le but... Garder sa masse musculaire, est-ce que c'est possible? Déjà, est-ce que le cardio c'est important? C'est hyper important, c'est parce que le cardio c'est utilisé dans toutes les épreuves, bah, je veux dire, toutes les choses de la vie quoi. Que ce soit faire tes courses, refaire ta maison, etc. Nanani, nanana, faire des déménagements. Le cardio c'est primordial. Alors, est-ce qu'on peut allier cardio et musculation? Oui, il y a des tas d'athlètes en triathlon qui sont balèzes. Donc maintenant, je te recommande de faire du cardio. Alors, je te parle pas si t'es vraiment en prise de masse, vraiment tu cherches le bodybuilding pur, de faire des séances de 60 minutes d'une heure de cardio vraiment intensive, mais par contre, tu peux faire des 20 à 40 minutes à rythme modéré et ça sera toujours bon pour ton cœur. Donc, oui, moi je te conseille vraiment de faire du cardio, c'est mon point de vue, et tu verras aussi que par expérience personnelle, tes séances de muscu elles seront plus simples. Si t'es meilleur en cardio, tu verras, t'auras moins de mal à enchaîner tes performances. C'est ce que j'ai remarqué. Et tu pourras porter les courses de la maman. Okay. Et tu pourras porter les courses de ta mère et tous ces foutus paquets que tu me fais tous les jours, tous les dimanches. Et arrête de coller la poêle, bordel de merde, et mets de l'huile sur ta poêle. Et porter les packs d'eau parce que monsieur il avait acheté 16 packs d'eau. Ouais, c'est vrai. On a tous porté des packs d'eau pour paraître plus musclé, etc. Les gars, deuxième topo sur le typo. Ton typo, le cardio et la musculation. Cardio, oui, faites du cardio, bordel de merde. On peut allier les deux. Si vous voulez friter votre meuf sur le lit, va falloir être cardio. Pendant 45 minutes. Deux, vous voulez être musclé? Pas possible. Possible. Vous voulez être cardio? Pas possible. Possible aussi. Possible les deux. Donc les gars, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne The French Iron, Calibou Telep. On n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Calibou Family. The French Iron. Twitter, Instagram. The French Iron, Twitter, Instagram. Donc on n'oublie pas tout ça, vous êtes de plus en plus à nous remercier. D'être 131 aujourd'hui. Oui. Alors on vous parle. La chaîne ça avance, elle avance, elle avance et vous aimez cette sincérité qu'on a instaurée sur la chaîne. Entre nous. On a instauré une sincérité et on est proche de vous comme vous êtes proche de nous. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et là ça avance bien. Je suis vraiment content des messages que vous nous envoyez. Vraiment, vraiment. Toi tu me regarderas. I love you fucking caribou. Et quand on sera plus,
vous venez tous à Nantes, on fait une partie, le mec qui gagne, un barbecue géant. Un barbecue géant. Non, ça serait pas mal. Ça serait bien, alors franchement, ça serait un putain de... On va pas vous payer jusqu'à tous vous payer le billet de train, fous-toi pas de ma gueule, comme ça. Mais ça serait quand même pas mal. Donc, on a aussi l'attention... Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu sais quoi, je vais me poser 3 secondes, je vais te laisser parler, parce que là, je relance la machine. Ok, bah en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter nos vidéos sur YouTube, continuez comme ça, et n'hésitez pas à partager, et surtout sur Twitter, je trouve qu'on a une croissance exponentielle sur Twitter, et vous me demandez des conseils, on essaye de vous répondre au mieux, on est proche de vous, comme il a dit le coach Nolé. C'est plaisant. Ah ouais, tu vas arrêter de m'appeler coach, hein, parce que je suis pas un coach connard. Mais bon, c'est pas grave, c'est le soleil qui m'a tapé sur la tête. J'ai oublié, demain tirage au sort de la protéine. Ah, non mais fucking carrez-vous, vous êtes... Vous la voulez pas cette protéine gratuite? Bah, pour l'instant vous êtes combien? 11? 11 ou 12? Maintenant? Putain, il t'a dit 6 le mec. C'est pas possible, t'as mal compté. On va recompter. Non, mais on va recompter, mais vous êtes pas plus de 11. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y en a, ils ont peut-être voulu participer, mais ils ont pas mis je participe en commentaire. Et moi tu mets pas je participe. Ah oui, frère, tu n'oubliez pas, n'oublie pas les règles, elles sont importantes. Parce c'est que important, frère. Comme vous savez, si on met des règles, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des gens d'autres chaînes, voilà, c'est ça, qui veulent venir. C'est pas mes abonnés, c'est pas ma famille. Mes abonnés, mes caribous, c'est vous. C'est ceux qui se sont abonnés, les autres, j'en ai rien à foutre. Et donc, ils veulent venir voler la protéine. Et ça, c'est non, c'est hors de monde, un non possible. C'est non. Donc, respectez les règles. Ouais, c'est-à-dire, envoyez soit un screen ou un message à Kevin sur Twitter. C'est lui qui s'occupe du Twitter de la French Iron. Ouais, et lui, il note à chaque fois ce qu'on tout fait dans les règles. Ouais, c'est ça. Donc, si vous êtes 6, et bah tant mieux pour les 6, ils ont une chance sur 6 de gagner la protéine. Donc, c'est demain le tirage au sort. N'oublie pas. De toute façon, ouais, on tournera demain le tirage au sort. Donc. Je sais pas si la vidéo, celle-là, on l'a fait samedi, mais je sais pas si elle sera postée samedi. Priorité, non, peu importe, mais je pense que la vidéo sera sortie avant celle-là. Okay. Donc les gars, voilà tout simplement, je refais un bref résumé si tu me laisses l'opportunité de le faire. Donc le cardio, oui, travailler votre cardio, c'est super important, mais si votre objectif c'est d'être vraiment athlétique, alors là vous pouvez aller sur le cardio, vous allez pas perdre de la masse musculaire, ne vous inquiétez pas, si votre programme de cardio et de muscu sont faits pour être ensemble. N'oublie pas que je vais préparer un Ironman à partir de demain, ça va être vraiment dur. J'espère pouvoir mettre des vidéos de quelques suivis, etc. Donc oui, tout simplement, la muscu et le cardio, c'est bon. C'est bon, t'as tout dit. Bah, okay. Donc je vais partir, je te laisse faire ta... Tu vas partir après. Salut les gars, on se retrouve, on se retrouve après. Ciao, ciao. Donc bon bah les gars, voilà, cette vidéo elle est finie pour le moment, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un like, ça me fera grave plaisir. Rapproche ta grosse tête, ça veut. Ça me fera grave plaisir de lâcher des likes, partager à fond les gars, parce que je sais vous faites genre les mecs, vous avez pas d'amis et tout, mais vous avez plus d'amis que moi. Et frère, je calais boulet. Que Dieu soit béni, que voilà. Te bénisse. Donc, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker. Allez, on le coupe les gars, allez, on le coupe sa mère.